మీకు అందరికీ నమస్కారం అండి. Aujourd'hui, nous voulons vous expliquer un petit peu, en tant que jeunes, comment nous apporter notre participation à la célébration de l'Ougadi. Alors, les jeunes, nous, comment nous apprendre le l'Ougadi? C'est à la maison, avec les valeurs, les principes que nos parents inculquent dans nous-mêmes, les observations que nous faisons à la maison, et au fur et à mesure, les explications que nous apprenons dans nos banalayam et mandiram. Nous apprenons la célébration de l'Ougadi. Je vous explique un petit peu comment nous célébrer le l'Ougadi dans différents passes à la maison, à la mandiram, à travers la famille et ainsi de suite. Alors, à la maison, ce jour-là, nous lève tôt, nous faire le mangala snanam. Ce jour-là, nous pouvons bien sûr habiller nous très joliment avec un vêtement, un kurta que nous avons acheté, que aussi nous avons acheté pour nos parents, un bijou, un champel, pour grand frère, pour papa. Et nous tous, nous pouvons habiller nous dans nos kottabattalou pour la célébration de l'Ougadi. Aussi, avant tout cela, bien sûr, ça demande une grande préparation pour nous célébrer le l'Ougadi, le nouvel an, avec le nettoyage à la maison, participer à faire et achat de nouveaux furniture, de nouveaux vêtements, et aussi nous pouvons participer à faire l'événement en incluant tout un élément qui est très très important pour la célébration l'Ougadi au complet. Nous pouvons aider le matin pour prendre à casse ban féman plutôt pour faire le tourenalu, et pour aider maman et ban appa, ban nana, pour qu'ils nous fassent le mugu ensemble. Nous pouvons mettre le pied banane de deux côtés de nous la cour, de nous gate, pour welcome ban bien fait et ban bien être de nous la maison, nos familles et tous les invités qui peuvent venir après. Ce jour-là, nous, l'Ougadi pour commencer avec un special puja. Et le special puja, ça se fait à la maison, avec les parents, avec nous ban bien-être de la famille. Alors ce jour-là, bien sûr, nous pouvons prendre le blessing de nos parents, parce que sans le blessing des parents, nous peinons, nous pas capable de dire qu'ils nous peuvent prospecter sans le blessing du parent. C'est pour ça que c'est très important ce jour-là. Nous prenons le blessing du parent, nous pouvons faire une salutation, nous pouvons souhaiter tout un chagrin et nous garder Shubakan Chalou. Et aussi ce jour-là, bien sûr, comme nous pouvons faire à la maison, nous faisons pareil de nous ban alayam, de nous mandiram. Nous pouvons aller la veille, nous pouvons mettre un petit coup de main, faire un petit propos tout, pour organiser un petit coup, mettre un petit torrenalou, attacher un pied banane, attache ban orifam pour accueillir le lendemain matin très tôt ban divoti et surtout accueillir dans nos ban alayam. Et ce jour-là aussi, nous pouvons assister le panchanga stavanam que nous ban jeunes, nous pouvons peut-être à cette heure-ci un peu plus attentifs dans le special puja au mandiram que nous acharya pour porter avec nous qui ban facteur qui peut-être peut affecter un petit peu nous la vie cette année-ci. Qui va un facteur nous pouvons apprendre un petit peu plus précaution, qui va un facteur que nous pouvons un peu plus profiter et faire un avancement dans la vie personnelle, qui nous en tant jeunes à l'école, à l'université ou même au travail. Aussi, ces dernières années-là, nous pouvons dire que nous célébrons le l'Ougadi dans une situation assez spéciale, dans une situation qui est non précédente, c'est-à-dire à la maison avec les familles et que les sœurs et frères. Mais nous, en jeunes, nous pas limite nous à que nous la maison. Bien sûr, nous évoluer et nous adapter en servant la technologie, le social media, le Facebook, pour partager un petit peu comment tout un chacun nous peut célébrer le l'Ougadi à la maison. Et de ce fait, nous allons faire un event page, un Facebook event, qui nous appelle l'Ougadi at home. Et nous allons inviter les jeunes, non pas seulement à l'île Maurice, mais aussi dans tous les différents pays, que ce soit en Malaisie, en Sud-Afrique, en Angleterre, en Australie, pour partager un petit peu comment la célébration peut faire, non pas seulement à Maurice, mais tout autour dans le monde en entier. Et nous, en tant que jeunes, nous essayons d'encourager tout un chacun pour partager un petit peu tout un aspect de célébration de l'Ougadi à la maison. Nous faisons un petit partage de récipes, de Telugu sweet, traditional sweet, un traditional dish comme le dosa, comment nous préparons la pâte de ça, comment nous faisons un traditional sweet
comme bien sûr le rasgoula qu'ils ont tout content manger à la maison, mais aussi une plus traditionnelle suite comme le hariselu, et aussi d'une potage un petit peu la célébration en termes de art et culture. Nous essayons d'apporter potage cette vibration de Ougadi, même si nous sommes à la maison avec tout le reste de personnes autour de l'île Maurice, avec un chant, une danse, et aussi nous partageons un petit peu how to celebrate Ougadi at home, qui sont les steps que nous faisons pour toutes les célébrations avec le Mangos Nanum, le Tabatelu, special lunch at home with the family, etc. etc. Et le Ougadi at home aussi, il aide nous à un certain moment qui nous rapprochons encore plus avec les jeunes qui ne sont pas habitués à trouver, qui ont une vie envers le social media pour partager la célébration, et c'était une super célébration. Et cette année-ci, après 3 ans, c'est avec un très très grand plaisir que nous, les jeunes, nous encore de plus jamais plus motivés avec la célébration de Ougadi à la maison pour amener la célébration, bien sûr, du jour aux fêtes nationales, le Ougadi, qui peut célébrer le 22 mars à MGI, qui commençait à 14h30. Alors, nous, en tant que jeunes, nous apportons nos participations à la célébration. Nous prenons une responsabilité pour faire un programme pour nous, Ougadi National. Alors, ce programme sera le Tolly Show. Le Tolly Show, c'est plus de mettre de l'avant le Tollywood Industry. En même temps, nous pouvons essayer de réunir le maximum de jeunes à travers l'île Maurice, pas nécessairement ceux qui ont le talent de chant, musique et danse, qui très certainement un aspect très important dans nos cultures et dans la tradition, mais aussi d'encourager un petit peu les jeunes qui sont un petit peu peut-être délaissés ou peut-être pas trop intéressés, mais faites-vous intéressés par rapport au Tollywood. Faites-vous join together, une même plateforme de célébration, de participation. En même temps, nous pouvons faire connaissance de tout ça, chacun, nous pouvons apprendre à travers le drama, à travers les acting de Tolly Show. Alors ce Tolly Show, c'est un petit peu comment nous, les jeunes, nous apportons nos célébrations et surtout le coup de main de célébration Ougadi. Et non pas maintenant, nous arrêtons ici. Nous continuons la célébration Ougadi, même après le Ougadi, nous continuons invite non pas seulement la famille Telugu, mais toute la famille mauricienne pour rejoindre nous avec la célébration de Ougadi dans nos malls. Alors, premièrement, nous pouvons faire la célébration au cœur du centre-ville, Flak, où nous pouvons inviter tout le monde, Anna, Appa et surtout les voisinages pour venir découvrir un petit peu comment nous pouvons célébrer nos Ougadi et nous partager ça à eux pour venir découvrir un petit peu comment nous pouvons célébrer les, nous inviter eux pour venir goûter un petit peu nos traditional sweets and dishes. Et aussi, nous pouvons faire la célébration dans une seconde mall, dans un peu plus le sud, pour nous avoir aussi intégré le voisinage du sud pour célébrer le Ougadi avec nous au Plaisance Shopping Mall. Et avec ça, je souhaite, et merci pour écouter moi premièrement, mais je souhaite et Sri Shubhakrut Nama Ougadi Shubhakanshalu Namaskaram Indi Danyavadam.